Paris, Nicolas, en direct, telling you, mettre le feu. Bonjour mes amis, c'est Lenny aka Elf Sneaks et on se montre en direct à Paris-Bercy pour Sneakiness. Restez avec nous, suivez-nous pour les enquêtes exclusives, pour voir les baskets exclusives. Et on va manger, on va danser, on va essayer de gagner des paires, on va voir, suivez-nous. Paris, my city, my home. Alright guys, so what we do at events, we basically push the online market, push collect, push presentedby.com, our online platform, our authentication, so the team from Collect in Cologne and us from the UK come together. I do the social media, so I come here to take pictures of everything that's fun so that everybody back at home or wherever they are around the world have fun looking at what we do and what Sneakiness is about. We've got the Keymasters, what we're doing with that. If you sign up, you get one free go. And it's just a straight, simple free sign up and you get to play. Hi guys, here's Michael from Presented by Collect. We are at the Sneakiness in Paris, Cité de la Motte. It's really crowded right now, it's cool. We're here to show what we're doing with Presented by Collect, to show our ledger checks. Our authenticators are here and showing people how to authenticate three people from Collect. So it's me, Michael, and also David, also known as David Swoosh, and Joel. These are two of our authenticators. I'm more from the marketing team. We also have this nice pop or flop machine where people are registering on our website and then they get some coins for free to try and maybe they win a shoe. I think the future events will also be the main cities for the Sneakiness. Next is Warsaw, then maybe Milan. Yeah, we will see Cologne. Two good days at Paris, I would say. That's my summary. Bienvenue au Sneakiness Paris, moi Sébastien, je bosse pour Crêpe sur tous les events. Ça fait maintenant 4-5 événements que je fais avec la marque. Et franchement, on le voit sur chaque event, on a de plus en plus de personnes. C'est franchement super et on a vraiment des vrais résultats sur les paires qu'on fait. On voit que l'engouement est de plus en plus fort et c'est franchement très intéressant. Et on voit que la marque grandit au fur et à mesure et c'est vraiment ce qui nous fait continuer et apprécier chaque event toujours un peu plus. Donc vous pouvez nous retrouver sur le stand Crêpe, on s'occupe de toutes vos chaussures, on nettoie, on imperméabilise, on présente aussi la gamme de produits et on vend. On a souvent la question de savoir où est-ce qu'on peut acheter Crêpe. Ben, en fait, sur chaque event, venez, on est là pour vous renseigner, pour vous conseiller, pour vous montrer aussi. Vous pouvez tester le produit et après vous pouvez repartir. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Moi, avant de bosser pour la marque, c'est vrai que j'étais client. J'utilisais souvent les produits pour nettoyer mes paires. En fait, j'ai toujours utilisé que ces produits-là. C'est aussi ce qui m'a donné envie de représenter la marque et pouvoir la promouvoir auprès d'autres personnes. Après, c'est vrai que depuis qu'il y a eu le combiné avec Crêpe, avec Presented By, bah, c'est bien plus intéressant. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes de passage à Londres, à aller à la boutique Presented By, qui est vraiment un concept ultra innovant et vraiment différenciant de ce qu'on peut trouver ailleurs. Et vous serez super bien accueillis par toute l'équipe, que ce soit celle de Crêpe, celle de Presented By. C'est vraiment une équipe au top. Donc, si vous avez la chance de pouvoir passer par Londres et de faire un tour à la boutique, c'est franchement super. Ben en fait, ça dépend des matières. Pour tout ce qui est cuir lisse, plastique, on va plutôt utiliser soit la lingette, soit la brosse. Si c'est des traces
c'est des traces qui sont sur du daim, du nubuck, du suède. On va plutôt utiliser la gomme qui est là. Et après, pour toutes les traces de salissure, là on va prendre brosse, produit, on frotte en fonction des matières, plus ou moins fort, ça dépend. Et pour les traces qui sont comme ici ou à l'intérieur sur la semelle, je vais plutôt utiliser une lingette à la fin pour bien frotter et essayer de faire sortir la tache. Par jour, on fait à peu près entre 50 et 60 paires, ça dépend, sur les deux fauteuils. Après, il y a vraiment des tranches horaires dans la journée où c'est plus le rush que d'autres. Mais ouais, entre 50 et 60 paires par jour à peu près. Il n'y a aucune paire qu'on n'a pas réussi à avoir avec les produits. Souken, bah, c'est cool, il y a du monde, il fait plutôt beau, la musique est bonne, donc c'est cool, on passe un bon week-end. Donc moi c'est Sylvain, on est aujourd'hui au Sneakerness à Paris. Je suis là, donc moi c'est Sylvain, j'habite sur Paris bien sûr. Ça fait 2 ans et demi que je travaille pour Crêpe Protect. Je m'occupe de toute la formation des équipes de vente. Et également je suis en événement, toujours pour nettoyer et expliquer toujours aux clients comment ça fonctionne les produits, le plus important. Donc là du coup on va nettoyer que la semelle. Donc on utilise la lingette, le côté perlé, pour vraiment aller chercher la saleté en profondeur. Là ça sert à rien d'utiliser la brosse, la lingette suffit. Et on va vraiment venir sur toute la semelle pour nettoyer bien en profondeur dans les rainures. Donc moi ça fait aujourd'hui c'est 5e événement que je fais avec en bossant pour Crêpe Protect. Mais avant, moi, ça fait 10 ans que je suis dans la basket. Donc moi, j'ai déjà fait beaucoup d'événements, que ce soit en France ou en Europe. Donc voilà, et on est là, ici à Paris, Cité de la Mode. Toujours Crêpe Protect, la base, toujours partenaire. Et c'est la seule activité gratuite de l'événement. Donc là, sur ce modèle de Yeezy, on va frotter différemment en fonction des matières. Sans plastique, on peut y aller de manière verticale comme ça, un peu plus fort, c'est un peu moins fragile. Sur tout ce qui est donc suède, nubuck, comme ce qu'on avait dit tout à l'heure, faut frotter donc de manière circulaire afin de bien répartir la matière. C'est une matière qui est un peu plus fragile aussi, donc on frotte moins fort. Et ça se nettoie de la même manière. Donc on est là avec Crêpe Protect, mais on est aussi là avec Presented By. Donc voilà, c'est un shop à Londres, vraiment que vous allez voir, c'est du Consignment Store. Grosse collection d'Off-White, grosse collection d'Yeezy, tout ça c'est à vendre. C'est un gros magasin de dépôt-vente également de textiles. Donc voilà, c'est vraiment la base. On espère vraiment qu'ils ouvrent un magasin sur Paris pour rester au courant. Et surtout, stay tuned. Et on est là, on ne lâche pas l'affaire. Okay, my name is David Comans. Okay, David Spoosh. I work for Collect in authentication parts, checking shoes if they are legged or not. Working for Collect now for 4 months. I specialist for Nike and Jordan. I collect shoes for more than 20 years, so I get used to all the Nikes, know how the stitching has to look, and that's my job at Collect. But it's the first event for me with Collect and Presented By. Talking to the people, giving a little bit of knowledge and stuff like this, good. It's good for the culture. So always nice to have the guys from Presented By there. I'm Joel, I'm from the Netherlands. I'm working now at Collect. Many people know me also as Sneaker Mood. Since April, I'm the authentication together with my colleague there. And we go to every event to explain to people what we're really doing. Many people ask us how we actually authenticate. I would say it's a process that we learn by doing as well. It's also the knowledge. Yeah, I'm already interested in sneakers for a long time. And all the boys from the authentication team as well. Today we're in Paris promoting our team. People are nice, sizes are really different. In general, it's not too much hype shoes. You know, it's the balance is really good. You can find your piece here.
100 pairs plus on shoes, but I'm just collecting Nike SB and Jordans. I have a big swoosh tattoo on my legs, really particular into shoes that I really like. I'm more into the old school things, collecting stuff that the quality and the materials were better back in the days. I only have Nikes. I never wear something else since I'm, I think, 11 years old. I was playing football, then we got sponsored by Adidas, then I quit because I don't wear Adidas, just Nike. Things that you have to look for, like the sole, the stars on it, or the off-white tags of the materials of the shoes. Everybody has to pay a lot of money for a kind of shoe, and then it's shitty when you have a fake pair. €1,000 for it. We want to help the people, and with our platform Collects, we're doing the job that everything we're selling is legit. We try to get this to the people. I'm doing the Jordan, the Nike, the expensive stuff. My colleague is doing the Adidas, Yeezys, and all this stuff, so we all have our main place where we authenticate shoes. We have an app that you can download in the App Store for Android and for iPhone. So on every event on the internet, on collect.com or at the app, you will find us. Hello, voilà, maintenant c'est fini, day 2 over, c'est fini, c'était un bon event. That's my best friend, Eli Costa. I know him for ages. Because we used to camp in front of the Nike store of Châtelet, mainly for b-ball shoes like Jordans. The most intensive, the most tough camp out was for an ASICS, like 51 hour. And after that I said, okay, but... no more. But yeah, no more, that's it. For me it was my limit. Have a look on his Instagram, Eli Costa, SB. One of the king of the TN, SB, I used to TN, be. God, Eli yeah, Costa, used to have be a look. TN. As you can see, my English is not... It's the same as me. Ah, c'est français? Ah ouais, putain, j'aime le fichard. Merci les gars, on est là, moi et David. Voilà, Vigny et moi, on est là. Bon, c'est la fin de Sneakerness, le week-end. Le temps était beau. Magnifique. C'était top. Chaud. Ah ouais. On s'est amusé et merci à Sneakerness et à la prochaine. Voilà. Super. Super bon event. Beaucoup de monde. Des gens chaleureux. Très bonne vibe. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour le prochain Sneakerness. Merci Sneakerness. Merci toute l'équipe. Presented by Crêpe Protect. Merci tout le monde. Bien sûr, on se retrouve le week-end prochain à Londres. Maintenant, ce sera chez nous. À SneakerCon, soyez là, vous êtes tous bienvenus, on va s'amuser. C'est qu'une journée, mais ah ça oui. va être la fête. Ouais. Samedi, ça va être la fête. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.